私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。J'ai vu un brouillard aussi épais. C'est la nuit en plein jour. Cette photo montre qu'il n'y a aucune visibilité. Comment sont les autres? Pas meilleur. Regarde un peu celle-ci. Ouais, un linceul noir sur toute la ville. On se sent étouffé. Je crois que c'est encore un gros pépin. Oh, Georges, ne jouez pas les prêches-misères comme d'habitude. Désolé, Réa, je vais être gay, je vous le promets. Oh, zut, il plaît toujours à Réa. Mais vous savez bien que les femmes préfèrent les hommes qui ont un léger grain. Ah oui, bien sûr. Oubliez, Georges. Regardez plutôt le ciel. Hé, hey, le brouillard s'est dissipé. C'est incroyable. C'est un miracle. Allez, oublions le ciel et travaillons aux photos. À mon avis, c'est encore un coup de notre ami Gori et de sa bande. Quoi? Oui, c'est encore le prêche-misère, désolé. Vous m'aviez promis. Une vraie institutrice. J'ai bien peur que Gori nous prépare encore un mauvais coup. Docteur Gori, le brouillard a été rangé dans sa capsule, tout est en ordre. Parfait, tu seras récompensé, mon fidèle Caras, quand je serai le maître suprême. Hein? Qu'est-ce que vous avez encore inventé, les gars? Nous faisons provision d'air frais. Le ciel est pur, la vie n'était pas belle. C'est sûr. Le ciel est à nouveau clair. Vous savez, le ciel pur, ça ne veut rien dire. Je ne vous suis pas, Georges. Il n'y a pas eu de vent pour chasser le brouillard. Eh bien, je pense, moi, que je vais aller consulter le nouvel ordinateur du ministère. S'il n'est pas en panne. Le nouvel ordinateur? Monsieur Kurata, l'ordinateur n'y comprend rien. Mais qui a fait disparaître le brouillard dans ce cas, si ce n'est pas naturel, hein? Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de connaître la cause. Elle est sans doute artificielle. Mais je vois, merci. Une cause artificielle. Comme c'est facile, une cause artificielle. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, une cause artificielle? Gori est derrière cette histoire. J'en suis sûr. Brouillard est à l'abri dans sa capsule. Je vais me cacher. Mission accomplie. Caras. Ça, c'est du brouillard concentré. C'est une arme très puissante qui peut exterminer l'humanité tout entière. Mais il est nécessaire de la tester avant d'agir. Va.
Vous remontez. Pressons, pressons, petit polisson. Eh bien, vous n'aurez qu'à monter à pied. Bon. Revient. C'est sûrement les fumées des usines. C'est très curieux, chef Figgy. Il y a une épaisse fumée noire qui s'échappe de l'immeuble du ministère. Allô, ici la brigade anti-pollution. Quoi? Patron, la salle de l'ordinateur du ministère est complètement envahie par un épais brouillard. Un technicien a été intoxiqué. Il faut aller voir. D'accord. Ça, j'y comprends rien. Le résidu du brouillard a une densité incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que ça a dû être tout à l'heure quand il y en avait plein? Ça semble ridicule, mais on dirait que tout le brouillard de la ville a été concentré dans la salle des ordinateurs. Mais enfin, c'est complètement dingue, ça n'a pas de sens. Peut-être que la vérité dépasse la fiction. Considérant tout ce que cet homme a respiré, c'est un miracle qu'il soit encore vivant. Ben, ces vapeurs sont mortelles, ça, c'est sûr. Ouais. Ce genre de brouillard incontrôlable serait capable d'intoxiquer toutes les futures civilisations. Ah ouais? Non. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Allez, mais calmez-vous, Nakaya, ça va aller. Allez, il faut vous détendre. Réa, il vaut mieux l'amener à l'hôpital tout de suite. Mais pauvre Nakaya... Il faut un médecin, pas une nurse. Je parie que c'est un nouveau béguin, non? Allez, fiche le camp. Docteur, dites-nous la vérité, comment est-il? Je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Observez bien. Il a peur dans l'obscurité. C'est étrange. C'est un cas très rare. Pour ma part, je ne l'ai jamais rencontré. Son esprit et son corps sont touchés. Docteur, dites-nous au moins quelles sont ses chances de guérison. Je ne saurais le dire. Cette maladie, si elle est connue, ne s'est pas encore manifestée dans ce pays. Nous ne pouvons qu'attendre et espérer rien d'autre. Vous guérirez, Nakaya. Spectroman, écoutez-moi. Il faut nous amener immédiatement Nakaya, c'est urgent. Nakaya? Comment peut-il vous aider? Son système nerveux a été gravement endommagé par l'inhalation des vapeurs du brouillard pollué répandu par le docteur Gori. Il faut que nous étudions les effets de cette brume empoisonnée sur l'être humain. Si nous voulons empêcher que la planète Terre tombe sous la domination du savant criminel dont le génie malfaisant utilise la pollution pour parvenir à ses fins, amenez-nous donc Nakaya, il n'y a pas d'alternative. Nous l'attendons. Je refuse. Il ne peut servir de cobaye. Ne discutez pas, Spectroman. Obéissez. Non, je refuse. Il a peut-être une chance de s'en sortir. Ne discutez pas, Spectroman. Nous ne faisons pas cela de gaieté de cœur, mais le sacrifice de Nakaya est nécessaire pour le bien de l'humanité. Allez. Il ne faut pas que vous ayez peur. Essayez de dormir.
C'est très bien. Reposez-vous. On dirait une mère avec son marmot. Spectreman, je vous répète que nous avons besoin d'étudier les effets du brouillard pollué sur l'organisme humain. Le sacrifice de Nakaya est indispensable pour le bien de l'humanité. C'est monstrueux. Je ne le ferai pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je me parlais tout seul. Ah. Vous guérirez, Nakaya, vous verrez. Personne ne vous veut de mal. J'ai exécuté les tests selon vos ordres, docteur Gori, et les résultats sont extrêmement intéressants. Comme vous le verrez, j'ai volé un enregistrement sur leur ordinateur au ministère et il vous confirmera ce que les terriens redoutent le plus. Le voilà. Alomodo. Les coquerelas. Coquerelas adorables petits animaux. Vous serez mes créatures, oui. Lorsque je me serai occupé de vous, vous servirez mes projets. Donne-moi un carasse. Attache-le sur le kinésaire. De contrôle, tiens. Mets en route, Caras. L'euphorie de mon génie, je t'appelle Gokinosaurus. Un, deux, trois. Réveille-toi, beau bois dormant. Oh non, essayez de dormir, Nakaya. Vous en avez besoin. Mais j'ai peur, Réa. L'obscurité m'effraie. J'ai des hallucinations quand je ferme les yeux. C'est affreux. Je me sens mourir. Mon Dieu, pourquoi? Non, calmez-vous. Essayez de faire le vide, d'accord? Je vais vous parler de mon village. Il est merveilleux. Il est perdu dans la campagne. L'air y est pur, tout est clair et il y a beaucoup de jolies fleurs. Et chacun possède un grand potager avec des fruits. Je souhaite y retourner un jour dans mon village. Mon rêve serait d'y aller, m'y installer plus tard avec mes enfants. Oh, bien sûr, si j'en ai. Vous êtes un ange, Réa, de me remonter le moral ainsi. J'aimerais vous apporter mon amitié. Quand j'irai mieux, peut-être me ferez-vous connaître ce village. Grâce à vous, je n'ai plus peur. Merci, Réa. Vous n'avez plus rien à craindre, Nakaya. Ça va? Oh, non. Oh, non. Non, non. Calmez-vous. Non. Calmez-vous. Allons. Non, allons. Non, allons. Non, allons. Arrêtez. Allez. Allez, non, non. Oh, non. Restez tranquille. Oh. Restez tranquille. Non. Voilà. Calmez-vous. Voilà, c'est fini. Merci, Georges. De rien. Vous êtes une infirmière assez étonnante. Vous méritez toutes mes félicitations. Je comprends que vous ayez passé tout ce temps avec lui. C'est un cas intéressant. Ce n'est pas seulement un cas intéressant. C'est un chic type et je suis navrée de ce qui lui arrive. Le soleil. Le village. Plus d'obscurité. Le ciel bleu. Il faut vous relaxer. Allez vous allonger. Je le surveillerai, soyez tranquille. Je peux avoir confiance. Mais certainement, Réa. Vous n'allez pas encore disparaître. Il n'y en est pas question. Allez vous reposer, Réa. Allez. Soyez vigilant. Évidemment, mère poule. Mon Dieu, il s'est endormi.
endormi. C'est Nakaya qui est parti. Allez, réveillez-vous, vous entendez? Allez, réveillez-vous. Oui, maître, Spectreman est à vos ordres. Pour l'amour de Dieu, cessez de faire le clown, Nakaya est parti. Parti? Ils ne peuvent pas. J'avais confiance en lui, je le déteste. Nakaya! Spectreman, vous avez refusé de nous amener Nakaya. Vous avez eu tort de nous désobéir. Il vient de quitter l'hôpital et se dirige vers le village natal de Rhea. Retrouvez-le, rattrapez-le sur le champ et téléportez-le nous aussitôt. L'enjeu est très grave, Spectreman. Obéissez à nos ordres sans délai, vous êtes prêt? Je suis prêt. Attendez, Spectreman. Gori a certainement un nouveau plan pour détruire Tokyo. Son esprit machiavélique peut nous réserver des surprises. Restez en alerte et recueillez toutes les informations qui pourraient nous être utiles. Mais je vous le répète, méfiez-vous de Gori. Bien sûr. Souvenez-vous bien, nous avons besoin de Nakaya pour analyser les effets du brouillard sur son organisme, ce qui permettrait de sauver d'autres humains. Téléportez-le nous. Téléportez-le nous. Je ne peux pas l'envoyer dans le vaisseau spatial. Ce serait un crime. Le soleil sur le lac. Cette merveilleuse clarté. Grâce à vos pouvoirs extraterrestres, Georges. Est-ce que je me trompe? Allez, venez. Revenez à la réalité. Et venez nous aider. Oui, allez. Production. Vous allez conduire et moi je m'occupe de lui. Ok, soutenez-le. Allons-y. Ça va? Oui. Maintenant, à toi de jouer, Gokinosaurus. Rattrape-les et tue-les. Tu as compris? Rattrape-les, tue-les, tue-les. Oh, 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 mon Dieu. L'obscurité revient. Nakaya, attendez. Nakaya, attendez. Je veux partir, j'ai peur. Mais calmez-vous, Nakaya. Je veux la lumière, laissez-moi. Non, calmez-vous. De la lumière. Où est la lumière? La lumière. La lumière. Gokinosaurus, tu l'es. Ta dernière invention, Gori. Spectreman, voici nos ordres. Transmutation immédiate. Il n'y a pas une seconde à perdre. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. C'est Spectreman.
Oh, Spectreman! Je tue la fille. Georges, au secours! N'essaie pas de la sauver, Spectreman, je te préviens. Coquinosaurus, nous partons, suis-moi! Léa, au secours! Au secours! Léa! Spectreman! Spectreman, ces gens appartiennent maintenant à Gori. Avez-vous oublié vos ordres, Spectreman? Laissez la fille à son destin, on ne peut plus rien pour elle. Mais je vous ordonne de nous amener Nakaya. Sauvez-le du monstre et téléportez-le nous immédiatement. Au secours, au secours! Aidez-moi, je vous en prie, au secours! Oh, au secours! Je ne peux pas laisser tomber Rhea dans les griffes de Gori. Et de toute façon, maintenant, j'ai deux êtres à sauver. Il le faut.私は科学者宇宙へ。